Abonne-toi et active la cloche. Coucou mes chouchous, mes bibis, mes doudous. Alors, aujourd'hui, je reviens pour encore un autre haul de course. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Agadoudoudou. Voilà les courses de Civil. Agadoudoudou. Voilà mes courses du jour. Ah. C'est un petit mini haul, hein. Mais je sais que vous aimez bien, même si c'est un mini haul. J'ai acheté de la fourrée dorée, la gage tranchée. Elle est super bonne. Je l'ai payée 2,15. Elle est vraiment très très bonne. Moi, je mets ça avec du pain, du beurre, mais du beurre prime vert. Hein. Bah ouais, soit du beurre. Avec de la confiture de mangue. Et je mets ça. Soit je me le fais griller et j'adore ça. Voilà. Donc ça, c'est top. J'ai pris des. Je vous les recommande à 10 000 %. Ce sont des liégeois au yaourt, lit de fraise. Alors, il faut savoir que Ivy, elle adore. Elle adore la crème blanche, là. Et c'est les seuls qu'elle mange. Et, enfin, qu'elle mange une petite lichette. Hein. Et moi, j'adore ça. Donc, je vous les recommande. J'ai payé 2,15. Et franchement, ils sont trop, trop bons. Ils sont bons jusqu'au 25 février. Je les aurais déjà mangés. Je prends toujours le même sopalin parce qu'il est très très pratique, il n'est pas du tout encombrant, à part celui d'Action que j'achète régulièrement. Mais celui-là, il est très bien parce que vous l'ouvrez ici, là. Vous avez une petite encoche ici. Je vais l'ouvrir là. Hein. Ici, et vous prenez comme les Kleenex. Et franchement, il est génial. Et vous utilisez ce que vous avez besoin, pas trois feuilles. Il y a juste une feuille à chaque fois. Les bananes, je trouvais que les bananes elles étaient un petit peu chères. J'en ai eu pour 1,75 € de bananes. Mais franchement, c'est les bananes que je préfère, les bananes de la Guadeloupe. Voilà, c'est celles-là que je préfère. Les autres, j'ai essayé, c'est dégueulasse. Donc, je préfère vraiment manger celles-là, les payer un peu plus cher. Alors, ça, c'est des gants magiques. Regardez, je vous montre. Et malheureusement, je les ai enlevés. J'aurais jamais dû. Voilà, comme ça. Et là, vous avez ici. Ils sont super chauds. Je les avais achetés à Noz. Ils sont super chauds, super chauds. Voilà. Parce que vous avez là, ici, c'est fourré et vous avez ceux-là. Et ceux-là, je les avais payés 3-4 euros à Noz. Mais franchement, c'était une marque et ils sont vraiment super. Ensuite, du coup, il y a le deuxième. Des citrons, 1,50 € parce que j'ai acheté du poisson avec des crevettes. Et de la sauce crème fraîche semi-liquide que je vais faire une petite sauce super sympa avec de la ciboulette. Je mettrai pas de sel parce que très peu. Voilà, j'ai du sel sans sodium. Voilà, mais franchement, trop bien. Alors, la tension, je sais pas, je l'ai pas pris ce matin, mais hier, avant-hier, j'étais à 185, 115, c'est-à-dire 18, 11, 5. Et là, hier, j'étais à 14, 9. Et là, je suis. Et dans l'après-midi, j'étais à 13, 9. Donc, je pense que c'est bon. Mais je suis fatiguée. Voilà. Je fais rien et je suis fatiguée. Il faut le faire. Du coup, je ne sais pas. Je dois retravailler le sel. Du coup, je ne sais pas si le docteur, avec la tension, encore le nouveau truc qui m'est arrivé, si je vais reprendre tout de suite. Je sais pas. 2,69 € les endives, j'adore ça. Et mon ex-mari m'a dit qu'il va se faire, il a vu à la télé, il va se faire une tarte tatin aux endives. Et il m'a dit qu'il va emmener une part. Et ça, c'est trop bien. Et moi, j'ai eu hier mon pack anti-gaspi. J'étais déçue, honnêtement, j'étais très déçue. Je leur ai dit, ils m'ont remboursé d'ailleurs la moitié. Et le pack anti-gaspi, j'ai quand même du poulet. Il faut que j'appelle mon ex-mari qui vienne chercher tout ça, qu'il mette dans son congélateur et qu'il le garde pour lui. Parce que j'ai quand même beaucoup de viande. Mais je vous ai fait une vidéo. Enfin, je ne sais pas si je la mettrai. Le deuxième. Le deuxième. Mais c'est trop bon, ça, je vous assure, c'est trop bon. Oh, regardez, il y a trois couches. Du blanc. Là, en fait, il y a la crème blanche, là, un peu comme chantilly. La crème mousseuse fraise. Et puis après, vous avez la fraise. Mais c'est une tuerie. J'en mange beaucoup. Alors, j'ai pris un paquet de 100 litres. J'ai payé même pas 1 euro. Les 10. Parce que j'en ai marre. Des fois, j'ai des gros sacs qui craquent ou quoi que ce soit. Et des fois, je prends des sacs de commerce que j'utilise pour les poubelles. Après, je me dis, je peux pas les jeter comme ça. Donc, je reprends ça et je le mets dedans. Et. Ah oui, et on a dit qu'il fallait acheter du chocolat. Alors chocolat, mais
Alors, il y avait 72%, c'est intense, et il y avait 95%, c'est fort. Moi, je préfère sincèrement prendre celui-là, c'est très bon pour la tension. 95, c'est mieux, mais moi, je ne peux pas le manger le corsé, je le déteste. Déjà, j'aime pas le cacao, alors autant j'aime le chocolat, autant le cacao, je déteste, c'est amer. Et là, ça va être limite amer, mais ça va être. J'ai déjà mangé 72%, ça se mange. Mais par contre, je regardais s'il y a du sucre. Ouais, après peu de sel, franchement, mais le sucre, il doit pas y avoir beaucoup de sucre, hein. Pas marqué. Et mon papier toilette, le trèfle, que j'aime bien. Prends soin de la peau à l'aloe vera. Alors j'avais acheté dernièrement un avec en papier recyclable, mais franchement, c'est une catastrophe parce qu'on peut pas garder le papier, c'est catastrophique et puis c'est pas la même qualité. Et du coup, tant pis, je reprends ça. Hein. Je fais attention le maximum que je peux. Après, je suis allée à la pharmacie. Alors, elle voulait me donner un sac. Je lui ai dit que non, je n'avais pas besoin de sac. Par contre, je crois que j'ai pas pris de médicaments assez. Je lui ai dit que j'avais pas besoin de sac. Du coup, j'ai vu mon pneumologue hier, alors en visio, hein, parce qu'il me connaît. Il m'a donné de la ventoline, il m'a donné de l'exomil, parce qu'en ce moment, il faut plutôt un quart d'exomil à chaque fois. Et il m'a changé ma dose, au lieu de 500 mg, c'est 250 mg. Et j'ai eu les masques. Alors, ça y est, ça commence. C'est pas la pénurie, mais ça commence. D'habitude, il vous en donne 50 pour un mois. Et là, elle m'a dit 30. Pourquoi 30? Parce qu'on peut le garder une journée. Alors, je trouve que c'est un petit peu fort de café. D'habitude, c'est 50, mais là, 30. Donc, c'est des FFP2. Voilà. Je sais pas s'ils sont top, hein, mais ce que j'avais avant, il était bien. Voilà, c'est des FFP2. Alors, ce que je comprends pas, c'est que normalement, on dit que le FFP2, c'est 99%. Et là, c'est marqué 95. Donc, bref. Non tissé, multicouche pour résister aux particules fines et gouttelettes de l'air ambiant. Respirant, est-ce que c'est marqué FFP2? Parce que des fois, elle m'a dit que c'était un FFP2, mais j'ai un gros doute là-dessus. Hein. Si c'est pas marqué, c'est que c'est pas un FFP2. Mais bon, ils ont l'air sympas quand même. Parce que ceux que j'ai là dernièrement, que j'ai eu, c'est des FFP2. Et là, c'est des NN53. Où est-ce que c'est des FFP2? Couvrir et protéger. Ce masque est stratifié par de multiples couches de tissu mince. 15 avril 2001. Il a été fabriqué le 15 avril 2020. 4 à 6 heures, masque non réutilisable. Contient 20 masques. Il n'y a même pas 30 masques, il y a 20 masques. Donc elle s'est foutue de ma gueule. Entreposé dans un endroit ventilé. Attention, ce masque ne peut pas être utilisé dans un environnement toxique. Donc ça veut dire que ce qu'elle m'a donné, ce n'est pas du tout des masques FFP2. Ça ressemble, mais ce n'est pas. Donc elle m'a. Ouais, parce que regardez, normalement ça devrait être marqué là. FFP2 et je ne le vois pas. Bref, c'est pas grave. Voilà, sur ce, je fais plein de bisous. Je vais aller de mieux en mieux parce que ma tension commence à aller mieux. Je vous fais plein de bisous parce que hop, ça y est, ça va couper. I love you, je l'avais dit, je t'ai quelote, yamo. Dites-moi ce que vous avez préféré dans mes courses. Bye bye, ciao! Abonne-toi et active la cloche!